Voilà, nous sommes devant le site des anciennes carrières de Cheffois. La nature a repris ses droits. La seule trace qui nous reste est cette grande plaie béante sur ce rocher, due à l'extraction de la pierre entre les années 1900 et 1953. Au début, les moyens étaient très rudimentaires, pioches, marteaux, brouettes, tombereaux, concassage à la main. Puis, la mine est apparue. Les artificiers, par les départs de mine, réglaient la vie aux alentours vers midi et 17 heures pour préparer les tâches de l'après-midi ou du lendemain. Le site s'est mécanisé dans les années 1920 avec l'installation du concasseur, puis particularité, le transport de la pierre qui posait problème avec le locotracteur avec des roues en fer qui, pour aller à la chevigneraie, provoquaient de réelles nuisances. D'où l'installation d'un transporteur aérien par wagonnet jusqu'à la gare de Porsec située à 3 km. Le pic de l'activité se situe dans les années 1920-1930 avec plus de 200 salariés de différentes nationalités, ce qui a dû permettre une intégration particulière à la vie de la commune. Le site a fermé en 1953 parce que, paraît-il, la pierre n'était plus adaptée aux besoins de l'époque.